Yo les gens, c'est Oni, on se retrouve pour le Skyrim numéro 3. Et je me suis un peu avancé du coup à côté de là où on devait aller. Allez! Ok, je suis un peu avancé là où on devait aller. Donc c'est cette grotte là. Pour faire toujours la quête des compagnons. Je sais pas combien de temps elle va durer. Mais je vais la faire en entière. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Pour atteindre l'objectif numéro 1 pour l'instant, j'ai pas le choix. Donc c'est parti là, on rentre dans la grotte. Je sais même plus ce qu'il m'a demandé de faire le mec, mais je vais regarder. Alors, il m'a demandé de faire quoi? Rapporter cet objet. Arc long de grotte du scintillant. Voilà, donc voilà. Là, cette fois, je suis tout seul. Il n'y a plus mon pote Farkas. Il m'a laissé. C'est plus mon frère d'armes, il veut plus de moi. Pas trop confiance. Je sais pas quel mob je vais avoir. Je pense toujours des. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est un rat. C'est un rat. Je pense que ça va être toujours des drogues ou il va avoir. Là, je pense qu'il va y avoir des araignées. Enfin, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, ça va. C'est pas trop dur. Je pense que plus tard, enfin, je commence un peu de quête principale histoire d'avoir des. Cri. Ça, c'est un Falmer, il me semble, ça s'appelle. En tous les cas, là, il me voit pas alors qu'il me regarde. Tiens. Ah. Ok, donc là, j'active un piège sans faire exprès. Ouais, c'est ça, c'est des Falmer. Bah, c'est cool. J'aime bien les Falmer. Enfin. Merde, arrête. J'aime bien les Falmer, c'est cool. Arrête. Hop, on monte de niveau tranquillement. Ah, il me fait super mal en fait. Arrête. Tiens, fenêtre. Tiens. Ok, là, sinon, je suis caché. Personne, il n'y a rien dans cette tente. Ah, il tire avec des flèches d'acier, c'est pour ça qu'il me fait mal. Mais, du coup, je l'ai tué, je pourrais récupérer son arc s'il est mieux que le mien. Et... Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Il a genre 7 de dégâts de plus que moi, un truc comme ça. J'ai récupéré ça au cas où. Je crois que c'est pour l'alchimie. Alors déjà on va augmenter notre niveau. Donc on va augmenter un peu la santé parce que là je prends super cher quand même. Qu'est-ce... Je suis niveau combien en archerie? 29, putain il m'en manque un. Qu'est-ce que je fais? Je vais garder le point. Et dès que je suis niveau 30 en archerie, je vais l'utiliser. En attendant, on va prendre la nouvelle arme. Ouais, voilà, 19 et 13. Hop, ça dégage. Nouvel arc. Arc Falmer. Continue à avancer tranquille. Personne. Peur d'avoir beaucoup de monde dans la grotte. Tant mieux d'ailleurs. Parce que là, je t'avoue que je suis pas si fort que ça. Faut que j'ai un nouvel arc. Je sais pas ce qu'il donne. On va voir ça de suite. Ok, donc ça c'est un mage. J'imagine qu'il va se heal. Non, même pas. Et donc il m'a rien fait. Il m'a couru dessus. Il a mis son bouclier. Il a attendu que je le défonce. Nickel. Après là, je tire avec des arcs. Enfin, des flèches de fer. Du coup, c'est pas top. Alors les gemmes c'est pour enfermer un pouvoir, en gros on enferme des âmes dedans et après tu pourrais les mettre par exemple sur les objets qui ont des particularités. Donc je sais pas, par exemple un arc qui fait des dégâts de feu, et bien au bout d'un moment il sera usé, donc tu y feras plus de dégâts de feu, et là avec les gemmes que tu auras remplies, et bien tu remplis ton arc de puissance, donc là il refait du feu. Voilà, donc en gros ça sert à ça. Et moi j'en utilise pas trop, mais je vais essayer de les utiliser quand même. Parce que c'est beaucoup mieux quand même avec ça que ça marche quoi. Alors. Donc là on continue tranquille, on va arriver au point où il y a l'arc. Je pense qu'il va y avoir un gros fight, genre soit un gros Falmer ou une armée de Falmer.
Ok, j'allais dire là on voit rien, mais si, ok. Ok, donc là je vise très mal. Ah, du coup regarde. Ah, je suis mort. Oh, je suis mort. En fait ils font vraiment super mal. Oh ouais. Bon, on va retenter une nouvelle technique. Courir. Arrête, arrête, arrête. C'est vraiment trop mal. Ah, c'est bon, là il fuit, là il est pas bien. Là lui maintenant. Ah, il est bugué, regardez. Ah, il est plus bugué. C'est bon, c'est fini. Moment d'espoir. Ah, mais en vrai. Ah, ouais, non. Là, il met la flèche, je suis mort. Hop, pause, potion. Attends, j'arrive. 2 secondes, tire pas. Vas-y, tu peux tirer. Hop, voilà. Donc là, il y a l'archerie qui a up. Je crois qu'il avait déjà up, mais bon, j'avais pas vu. Quoi, plus 6? J'ai déjà mon arc Falmer sur moi, non? Flèche Falmer, ça fait. Et toi? Armure lourde, ouais. Ah! Ok, donc là. Comme ça m'a dit quoi? Genre, ça me rajoute des dégâts alors que. Plus 6. T'es bête ou quoi? Plus 9 pièges d'acier. Alors là, on peut up du coup, vu que j'ai un point. Dans l'archerie, on va dans l'archerie, tac 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10% de chance de porter un coup critique infligeant des dégâts supplémentaires. Ou appuyer sur parade en cours de visée permet d'effectuer un zoom. Moi je prendrais plus ces dégâts critiques. Voilà. Un petit critique, ce serait cool. Donc ça c'est bon, c'est fait. Il doit en avoir en bas, non? Non, même pas. Un goat, c'est une chèvre. Ça c'est déjà ce que j'ai. Allez, on avance. Toujours un sneak. Ah, il a pas l'air d'être loin le truc. Sur le radar. Ok, t'as des mobs. Il m'a vu. Chorus. Wesh! Tu fais quoi toi? Tu m'as craché dessus. En plus j'arrive pas à te toucher. Tiens. Tiens. Je te fais pas de dégâts. Trop tanky ce truc. Je lui fais 0 dommage. Et en plus il m'empoisonne. Ah mais lui il fait trop mal. Genre là, ça commence à être un peu compliqué. Parce que j'ai rien fait, comme un trou duc, je suis direct allé faire les quêtes du compagnon. Allez, meurs s'il te plaît. Flèche Falmer. Ouais, fuis. Ouais, fuis pas trop loin, s'il te plaît. Elle va me surprendre, je le sens. Pédé. Elle commence à me cracher dessus. Alors, flèche d'acier, je récupère. Ça, flèche Falmer. Ça, c'est violent. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mobs dans cette grotte, mais ils sont violents, les mobs. J'ai pas le level, quoi. Ah non, il y en a encore un là. Ah, il y en a deux. Arrête. Genre, il n'y a pas eu un pack critique là. Genre, tu m'as vu. Attends, enfin, tu te gardes là parce que je vais mourir. Arrête, me touche pas. Je suis perdu en plus. Arrête, 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 arrête. Tiens, ton pote mort, regarde, c'est pas plein. Ça fait trop mal, putain. Et ouais. Et ouais, mon pote.
On charge, c'est parti. Ah mais du coup, c'est vrai, putain, j'avais fait une sauvegarde ici, je suis con. Bon. Je vais devoir faillir à ma tâche. Je vais prendre ça. Ce heal. Petit sort de soin. Tranquillement. Bah il fait, je m'en fous, je suis pas mage. Boom. Ok, donc là, je vais devoir prendre ça. Ah non, sachant quoi, en fait, j'ai quand même pas de dégâts. Ah ouais, ouais, d'accord, donc en fait, ça change vraiment rien. Ça, c'est juste que j'ai pas le level, tout simplement. On va faire un truc, la technique de lâche. Ah! Là, je me perds en plus. Ah! Lâche-moi! Vas-y, fais, je m'en fous. Technique de lâche. Hop. Toi, tu me vois plus là. À vous, tu me vois plus. Bon, je suis fou. Comme ça. Ah, arrête! Attends, est-ce que je te défonce toi? Ouais, je suis trop tranquille, les mecs, arrêtez. Pas marrant. Ouvre-toi, putain de ta mère! Oh non, j'aime pas les trucs de Wemmer. C'est moi, je suis sur le côté là. Ou par contre, il faut que je le tue en fait. Genre, là, je vais prendre ça. J'ai tenté de le tuer parce qu'il va me donner des flèches. Attaque furtif, genre, il me voit pas. Ah, c'est ça qui me voyait. Et ça, c'est vraiment trop fort. Ok, donc là, un peu paniqué là, je t'avoue. Palmer, Plume, machin. Ouais, ça lui fait des trucs. Arclon, hop, hop. Masse de Wemmer, je m'en fous. Ouais, je récupère, il fait des trucs, salut. Oh! What the hell? Oh! Ensuite. Putain, j'ai fait de la merde. Oh, je m'en veux, j'ai envie de me suicider, putain. Je me suis trompé de tout, je voulais sauvegarder, j'ai fait recharge rapide. Enfin, je veux faire sauvegarde rapide, putain. Oh là là. Ok. Ok, peut-être que je vais survivre. Full life. Laisse-moi passer où c'est la sortie. Hop, petite sauvegarde rapide. Oh, j'ai vu l'éclair passer à côté de moi. Arrête.
Arrête, 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 arrête. Et ouais, mon pote, c'est comme ça qu'on se bat ici. Non, là, je suis désolé, mais je pouvais pas les fight. Ils sont encore devant moi. Oh, ils sont encore là. Ils m'ont suivi. Ouais, je pouvais pas les fight là, je suis vraiment désolé, mais c'était beaucoup trop chaud. Et ma forêt, la sortie c'était par là-bas, non? C'est pas par là-bas la sortie? Si? Ah, vous c'était par là la sortie. Ouais, c'est ça, je pense. Vers bord de ciel. Ouais, c'est bon. Fou. Ouais, donc du coup, je pouvais vraiment pas les avoir. Genre, j'ai voulu vraiment rush les compagnons. Donc du coup, je vais toujours rush les compagnons, mais je fais une petite pause de quête pour aller chercher du stuff. Genre voler ou acheter même, parce que je commence à avoir un peu de sous. Parce que là, c'est vraiment trop chaud. Hein. Vraiment impossible de faire ça, quoi. Le mob, il m'a one shot. Là, on va à la blancherie, on va rendre sa quête et on va se faire plaisir. Genre, on va voler, on va construire ou on va acheter. À voir. Ça dépend. Mais je veux toujours rester en archer. Ça a pas l'air le best, ça a même le, je dirais, le moins fort. Mais moi, j'ai envie de jouer comme ça, donc je vais jouer comme ça. Peut-être qu'à un moment je voudrais jouer mage, donc je jouerai mage, tu vois, mais on verra. Pour l'instant, j'ai bien envie de jouer archer. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai volé le cheval. D'accord. Voilà. C'est bon, c'est vide. Regarde, heal. Voilà. Tiens. Tiens, t'inquiète, j'ai tué tous ceux qui avaient dans la grotte et tout, j'ai récupéré le truc. Ils ont requis la plus grande discrétion pour cette affaire. Je m'assurerai de sa restitution. Voilà votre part de la récompense. Oui, la discrétion, oui, on peut dire ça. Je charge du travail. Tiens à éviter d'être entendu. Retrouvez-moi sous la base forge ce soir. Vous en saurez davantage. D'accord. De nuit, ben là il fait pas nuit, genre. Oula, excusez-moi. Alors on va attendre une heure. C'est là, hop, il va se taper là-bas. Let's go. Avez-vous fini de vous préparer? Yorvask est le plus vieil édifice de Blanchely. La forge sienne y était déjà avant lui. Nul besoin pour vous dans sa campus. De la basse forge émane une magie antérieure aux hommes et aux elfes. Nous vous avons emmené ici pour vous rendre plus fort. Pardon. C'est le moment. C'est le moment du loup-garou. Je le sais. J'ai déjà vécu tout ça. Du coup, suspense. On vous laisse ici. Et on se retrouve, je vous montre un peu comment on fait pour devenir un loup-garou vampire, un hybride. Merci d'avoir regardé la vidéo, continuez à regarder si vous aimez, dites-moi en commentaire si vous aimez ça, ce que vous voulez que je fasse et tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, ça nous ferait vraiment plaisir pour pas grand chose. Et encore merci d'avoir regardé,